Bonjour mes chers frères et sœurs en Christ dans le Seigneur. Je viens vers vous encore avec un cœur sincère devant la présence de ce Dieu qui nous chérit, ce Dieu qui nous aime, avec un cœur grand qui est rempli de grâce et de bénédiction. Et je peux que l'exprimer à travers mes paroles, car je sais que le Seigneur m'a rempli de son amour. Et son amour me pousse à parler de lui. Son amour me pousse à bénir dans mon entourage. Et je vais encore le faire ce matin. Car je n'ai pas eu l'occasion dimanche dernier de souhaiter une joyeuse fête des pères. Et je veux prendre le temps ce matin devant mon Dieu d'encourager les pères. Les souhaiter vraiment de tout mon cœur une joyeuse fête dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse accorder aux hommes de l'Église de Gisors, même aux hommes de l'Église universelle, et même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, une grâce particulière. Les accorder une bénédiction au sein de leur famille et dans leur entourage, dans leur lieu de travail, qu'on puisse tous exprimer cette grâce que Dieu nous a donnée en tant que responsable. Et responsable ne veut pas dire écraser l'autre, écraser la femme. Mais on peut être chef en respectant les autres, être un modèle dans tous les domaines de la vie, être un modèle en ce qui concerne la responsabilité, c'est-à-dire de montrer la voie. Et c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que je peux vous souhaiter, qu'on soit des pères remplis de foi. Ça me fait penser à Abraham, qui était appelé le père de la foi. Pas simplement Abraham, mais aussi Job, était aussi un modèle au sein de sa famille. Et c'est là que je veux, Père, vous emmener vers le témoignage de Job, ce que Job a vécu, comment Job a exprimé sa responsabilité au sein de sa famille et devant ses serviteurs et devant Dieu. C'est pourquoi je vous invite à faire cette courte lecture dans le livre de Job. Il est dit qu'il y avait dans le pays de Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu. Et se détournant du mal, il eut naqui 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger, à boire avec eux. Et quand le jour du festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait du bon matin, il offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Vous avez bien saisi. À la fin, il est dit que c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'était une habitude pour lui. Et cette habitude, père, mes frères, en Christ, amis, ça doit être une habitude pour toi. Cette habitude doit être dans ton cœur. Car Job avait l'habitude de se présenter continuellement devant Dieu. Il était un homme intègre, un homme droit. Il craignait Dieu.
Il ne voulait pas offenser Dieu. Il ne voulait pas que sa famille offense Dieu dans leur cœur. Sa famille qui avait l'habitude de se retrouver, c'est une bonne chose de se retrouver. Mais Job avait cette crainte de Dieu de conduire ses enfants, les apprendre à connaître Dieu. Et il avait coutume de se lever chaque matin. Chaque matin. C'était tous les matins, il se levait tôt. C'est là que je vais t'emmener, mon frère, ami. Toi qui es devenu père depuis longtemps, tu dois être habité par cette crainte de Dieu. Pas simplement pour toi, mais pour la vie de tes enfants. Pour la vie de ceux qui t'entourent. Car un père est appelé à être père, un père pas simplement sur le plan matériel, moral, mais spirituel. On ne doit pas simplement prévoir au sein de sa famille sur le plan matériel, mais encore plus sur le plan spirituel. Et c'était vraiment le rôle de Job. Spirituellement, il se souciait aussi ce que ses enfants avaient dans leur cœur, dans leur pensée. Il disait, je ne sais, je ne sais. Et chaque matin, il réveillait ses enfants. Il exhortait, il les encourageait à rester intègres. Car lui qui était intègre, il voulait communiquer cela à ses enfants. Cette intégrité, cette droiture, cet amour pour Dieu, cette crainte de Dieu, il voulait communiquer cela à ses enfants. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et c'est ce que je veux souhaiter de tout mon cœur pour toi. La première chose, d'avoir la crainte de Dieu, être intègre, être droit devant Dieu. C'est ainsi que tu pourras être un vrai père. Un père qui n'est pas simplement là. Quand un enfant vient, il te donne. Il le donne tout ce qu'il compte matériellement. Parce que dans notre société, beaucoup sont comblés matériellement. Mais ils ne voient pas la présence des parents. Ils ne voient pas le père. Le père n'est jamais là. Le père n'est pas là le matin pour prier avec ses enfants. Le père n'est pas là pour encourager ses enfants. Le père n'est pas là pour discerner si ça va, si ça ne va pas. Ce qu'il va et ce qui ne va plus. Mais Job était là. Chaque matin, il les encourageait. Ensuite, il se présentait devant Dieu avec un holocauste. Un holocauste veut dire quelque chose entier. Ce qu'il offrait à Dieu, ce qu'il présentait à Dieu pour sanctifier ses enfants, c'est-à-dire purifier ses enfants, de ôter le mal. C'est ça que Dieu appelle les hommes à faire. C'est pourquoi Dieu dit, comme à travers cette parabole, trouverai-je la foi? Et si je dois paraphraser ce passage qui dit, trouverai-je la foi lorsque je reviendrai? Et je dirais tout simplement, trouverai-je encore des hommes intègres, des hommes droits, des sacrificateurs, des hommes qui se donnent pour leur famille, des hommes qui se donnent pour leur société, la société, des hommes qui se lèvent en disant, je ne sais. Peut-être qu'un tel a commis du mal, mais je ne veux pas juger, mais je veux t'apporter mon sacrifice au Père, ô mon Dieu, purifie leur cœur. Est-ce qu'il y a des hommes encore aujourd'hui qui marchent avec cette foi, qui marchent avec cette autorité, des hommes qui ont coutume de marcher de la sorte, de dire Dieu, vois mes enfants que tu m'as donnés, je me tiens devant toi. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. C'était la prière de Jésus. Mais cette prière de Jésus, tu peux l'utiliser ce matin. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et si tu te tiens devant Dieu comme Job l'a fait, Dieu pourra que t'exhorter, Dieu pourra que t'encourager. Mon frère, ma sœur, surtout ma sœur, encourage ton mari à prendre sa place. Tu ne dois pas le prendre sa place, mais tu dois l'encourager à prendre sa place. Tu dois l'emmener chaque jour sur ce passage de Job
et il pourra prendre sa place. Car la parole de Dieu agira dans son cœur et il deviendra un homme intègre dans ce domaine, droit. Et il conduira son foyer dans la droiture et dans la crainte de l'Éternel. Est-ce que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il pourra retrouver des hommes qui conduisent leur foyer? Pas simplement qui prévoient matériellement, mais qui comblent sa famille moralement et spirituellement. C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus qui puisse t'accorder cette force afin de la transmettre à tes enfants. Mon frère, en particulier, ceux qui servent Dieu dans la prédication, dans le ministère de la parole. Mes frères pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres, docteurs, si nous ne sommes pas capables de conduire notre foyer, nous ne serons pas aussi capables de conduire l'Église de Jésus-Christ qui est saint, qui est puissant. Si nous ne sommes pas capables de marcher dans l'intégrité, de marcher dans la droiture et dans la vérité et dans la crainte de l'Éternel, frère pasteur, comment on pourra conduire l'œuvre de Dieu? Et ma prière aujourd'hui, je prie pour vous et pour moi-même que Dieu puisse nous accorder cette grâce. Seigneur, oui, nous te prions. Nous ne voulons pas nous borner simplement d'entendre ces paroles, cette expérience de Job, mais nous voulons marcher dans l'intégrité. Seigneur, aide-nous. Aide-nous en ce jour de marcher pleinement dans cette intégrité, que cela puisse être une habitude en nous. Seigneur Jésus, fais-nous grâce. C'est pourquoi nous te demandons pardon, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous tournons à gauche et à droite, nous avons du mal à voir des hommes qui se lèvent comme Job l'a fait. Job est laissé rester intègre, même nous voyons plus tard lorsqu'il va tout perdre. Mais il est resté intègre devant toi, dans la crainte de l'Éternel. Parce que le diable pensait qu'il était intègre à cause des biens qu'il avait. Mais un homme intègre reste intègre, combien même qu'il reste avec que peu de biens, il restera toujours intègre. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons nous dépouiller de tout et nous revêtir de Christ. Toi, Jésus-Christ, tu as marché avec intégrité et c'est toi l'époux fidèle, le véritable et le juste. Nous voulons t'imiter. Nous voulons marcher selon toi. C'est pourquoi nous te prions ce matin. Aide-nous à transmettre ces valeurs à nos enfants, ces valeurs spirituelles, ces valeurs que tu nous as données. Nous ne voulons pas simplement prévoir matériellement, financièrement, mais nous voulons combler spirituellement, être présent spirituellement. C'est pourquoi je te prie pour les hommes du monde entier, qu'ils reçoivent ta bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas simplement dire « Bonne fête au Père !» Mais nous voulons dire à tous ces hommes, Père, qu'ils reçoivent la bénédiction de Jésus-Christ. C'est la bénédiction de Jésus qui enrichit. Elle est suivie d'aucun chagrin. Le monde nous détourne. Le monde détourne les hommes. L'alcool détourne les hommes. L'alcool enlève la responsabilité des hommes de ne pas dire les bars pour ne pas choquer, mais je vais le dire quand même. Parce que la plupart se trouvent derrière, devant les comptoirs de bar, retient ces hommes, retient ces responsables. Mais je veux délier tout cela. Je veux voir des hommes
se lever dans ta maison, revendiquer avec autorité leur responsabilité et de reprendre à l'ennemi ce qui nous a pris depuis le commencement. Parce que l'ennemi veut renverser les rôles. Les rôles sont renversés dans notre société. Les hommes ne prennent plus leurs responsabilités. C'est le désordre. Mais tu es celui qui rétablit Jésus-Christ. Rétablis mon frère. Rétablis cet homme dans sa responsabilité au sein de son foyer. Il ne doit plus être derrière, mais devant pour conduire son foyer. Alors mon frère ami, cela tu pourras l'obtenir en Jésus-Christ seul. En Jésus. En Jésus. Alors sois en premier un homme de prière. Et si tu deviens un homme de prière, tu seras un homme responsable, un homme de foi, un homme rempli d'amour. Pas simplement un homme de prière, mais un homme qui va chercher ses ressources à travers la parole de Dieu. Et tu pourras prier selon la parole de Dieu. Tu pourras prendre tes responsabilités selon la parole de Dieu. Alors fais-le. C'est pourquoi je veux briser tout ce qui empêche les hommes de l'église de Gisors. Excusez-moi mes frères de me centrer un peu sur Gisors. Je ne suis pas que centré sur Gisors, mais ma prière que Gisors devienne source de bénédiction pour les autres. C'est pourquoi je reviens très souvent, en particulier sur l'église de Gisors, les hommes de Gisors. Levez-vous, pas pour écraser, mais pour prendre votre responsabilité. Et je pense que j'ai assez dit. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Alors louons le Seigneur ensemble, à travers ce chant qui est en harmonie avec ce message, qui élève les pères, qui ne les minimise pas, mais qui les élève vers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Soyez bénis.